Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oui, je pense que maintenant c'est devenu une tradition pour les Sénéfir d'aller chercher des bons résultats ici à Tizi. C'est vrai, au début, avant ce match, personne ne croyait que cette équipe de CSI va quand même subir, si je puis dire, la pression des joueurs ou de l'équipe de la GSK aujourd'hui, que quand même elle a entamé le match avec un esprit de revanchard, puisqu'ils ont perdu le premier match contre Olympique de Chlef. Et puis nous, c'est vrai, on a travaillé toute la semaine par rapport à toutes les situations qu'on a vues aujourd'hui. Et puis voilà, on a eu le mérite de marquer les premiers et puis bien gérer la fin de la première mi-temps. C'est vrai, en deuxième mi-temps, on a subi pratiquement toute la mi-temps. Et puis c'était travaillé déjà dans les entraînements toute la semaine avec, si je peux dire, une rigueur tactique exemplaire de mes joueurs sur le plan défensif. Même on n'a pas beaucoup joué sur un système de 5 défenseurs derrière. Et puis il y avait quand même, si je peux dire, voilà, la possibilité d'aller vers l'avant et de chercher peut-être à tuer le match. La GSK, c'est vrai, si je peux dire, elle a eu la possession du ballon, mais pas assez dangereuse, uniquement sur les balles arrêtées où ils ont créé quand même pas mal d'occasions. Et puis voilà, on a eu la chance de gagner contre cette GSK, si je peux dire, blessée actuellement. Avec le mauvais départ en championnat. Et puis nous, voilà, une victoire très méritée par rapport à ce qu'ils ont produit les joueurs aujourd'hui sur le terrain. Donc on peut dire que c'est beaucoup plus aussi une victoire remontable, parce qu'elle a senti votre équipe qui était bien en place mentalement. Oui. En plus d'être bien en place tactiquement. Oui, ces matchs-là se gagnent au niveau du mental, puisque le travail, je crois que la GSK, dans la préparation, dans la période d'intersaison, ils ont fait un grand travail, hein, tout le monde le sait, avec 2 ou 3 stages, c'est voilà, c'est ma mémoire est courte. Mais le travail, si je peux dire, mental a pris le dessus aujourd'hui. Et puis l'organisation, si je peux dire, sur le terrain tactique, où on a mis quand même en place un dispositif pour minimiser, si je peux dire, le jeu et la profondeur pour les attaquants de la GSK. Et puis tout ce qui a été fait durant le match, les changements en 4-4-2 pour la GSK, après 3 attaquants dans l'axe, et nous bien sûr, en incorporant Zaleni avec 3 défenseurs dans l'axe, ça a été à jeu égal, bien sûr, ils ont eu la possession, mais mentalement, on était, je pense, aujourd'hui, très fort que la GSK. Est-ce que vous espériez un peu un tel début de championnat, au but, ouais, que vous avez connu juste avant l'entame? Vous le savez bien, personne ne misait sur cette équipe avant le début, avec tous les problèmes causés, si je peux dire, par la direction. Mais maintenant, la direction, je pense qu'elle fait encore, elle essaye de redresser la barre, elle essaye de réorganiser tout dans le club. Et puis nous, on adhère, bien sûr, on doit adhérer avec l'administration. Alhamdoulilah, avec ces 2 victoires, on va être plus à l'aise et dans le calme qu'on puisse travailler. Et l'administration, elle est là, bien sûr. Mais personne ne misait sur cette équipe, croyez-moi, avant le début du championnat. Maintenant, alhamdoulilah, c'est grâce à Dieu, bien sûr, grâce à tout le travail qui a été fait et tous les efforts fournis par les joueurs durant les stages en Tunisie et puis dans la continuité avant le match de l'USM Karanchla et aujourd'hui contre la GSK. Il faut continuer. Le plus dur reste à faire, c'est de rester dans ce... Voilà, exactement. Voilà, il faut descendre de ce nuage et voilà, essayer de travailler encore et plus dur encore pour aller chercher quelque chose, Inch'Allah. Vous avez apporté la preuve aussi qu'aujourd'hui, sur la stabilité également de réussite, puisque vous
Oui, mais c'était le... Vous le savez bien, c'est... Vous le savez bien, c'est le problème primordial de toutes les équipes en Algérie. Il n'y a pas de stabilité. On voit très bien les départs des joueurs, une dizaine de joueurs qui partent dans un club, c'est beaucoup. Maintenant, le CSC est plus stable, je pense. On a misé sur ça dès le début, sauf s'il n'y avait pas ces problèmes, mais on a misé sur la stabilité, on a misé quand même sur quelques recrues qui peuvent nous aider, voilà, dans notre philosophie. Et puis, alhamdoulilah, le groupe est là. Et il a démontré qu'il peut faire quelque chose, Inch'Allah. Oui, on ne va pas dire encore une fois de plus, parce que je trouve que la semaine passée, comme je l'ai dit à mes joueurs, je n'avais pas vu la JSK. Par contre, aujourd'hui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais visiblement, au lieu d'avoir un but d'avance sur la tête qui s'écrase sur la transversale, on concède un... sur une erreur d'appréciation du joueur qui perd stupidement le ballon, mais ça arrive dans le monde du foot. Mais on a été sanctionné tout de suite. Après, il n'y a plus rien eu. Il n'y a plus rien eu. Et nous, à côté de ça, on a, je sais pas, 15 corners, on a 10 coups francs latéraux, on a multitude d'opportunités. On les a dominés de la tête et des pieds. Ça n'a pas voulu rentrer. Et en plus, il y a eu quelques actions litigieuses, dont une qui devait être sifflée. Un pénalty, ça change tout. Quand on revient à 1-1, c'est clair qu'au lieu de gamberger dans les têtes, même s'ils ne l'ont pas fait beaucoup, mes joueurs, je trouve qu'ils ont été jusqu'au boutiste. Il y a eu de la qualité dans ce qu'on a fait. On a amené le ballon dans le rectangle. Mais voilà, si on parvient à égaliser, c'est une autre histoire. C'est certain. Aussi bien pour l'adversaire que pour nous. Donc voilà, je dirais simplement que moi, j'ai pu découvrir l'atmosphère du stade. J'ai pu découvrir ses supporters. Magnifique, bien sûr. Il y en a qui sont mécontents, comme nous le sommes tous. Je pense que la frustration est énorme du côté des joueurs, est énorme de mon côté. Je pense qu'ils ont tout essayé, j'ai tout essayé aussi. Maintenant, il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait et pas sur le seul résultat pour avancer. Voilà. Ce qu'on a montré aujourd'hui, il faudra le reproduire souvent. Je pense que dans le football, on dit souvent que tout s'équilibre. Ben, il serait temps que ça s'équilibre vraiment. Voilà. L'entraîneur adverse vient d'affirmer que en plus d'avoir été bien en place tactiquement sur l'équipe, j'avais aussi le mental. Est-ce que vous, au niveau de votre équipe, ce mental-là, il vous manque un petit peu ou alors vous avez senti que... Je ne sais pas le match que vous avez vu. Moi, j'ai vu un match plat de notre part. Maintenant, le mental, oui. Il ne va pas dire que son équipe n'a pas été bonne quand elle gagne 0-1. Mais si je regarde mon équipe, je trouve justement qu'on n'a pas manqué d'énergie jusqu'à la fin, qu'on a essayé jusqu'au bout. Frustré d'ailleurs du temps additionnel, 5 minutes pour tous les arrêts de jeu, c'est rien du tout. Hein, on a 5 minutes en première ligue quand il n'y a pas 10 fois appel à la civière, comme ça peut être le cas. Donc voilà, non, moi je pense que le mental, il était vraiment présent de notre côté. On n'a pas trouvé la faille, on s'est créé vraiment des opportunités, je le répète. Alors, ils ont eu une frappe au but sur toute la deuxième mi-temps. On n'a pas concédé une phase arrêtée, si ça ne sait pas être archi-dominant. Maintenant, on le sait, dans le football, il faut aussi être efficace. Mais encore une fois, autant la semaine passée, je me posais beaucoup de questions, vous m'en avez posé aussi. Autant cette semaine, j'ai vu une équipe de la JSK entreprenante, comme elle doit être pratiquement chaque match. Et donc, à ce point de vue-là, je trouve qu'on a essayé, je dirais, à peu près toutes les formules. On a été dominant, je le répète, mais si en plus... Lorsque vous méritez un pénalty, on ne vous le donne pas. Tout devient compliqué. On sait par définition, et je l'ai vu dans les résultats, en général, dans ce championnat-ci, quand on mène d'un but, c'est toujours très difficile de recoller au score. Encore une fois, si en plus une opportunité nette de recoller au score, qu'est un pénalty ne vous est pas accordé, c'est plus difficile encore. Voilà. Il y a une détection aussi qui a joué en votre défendeur, parce qu'au départ, il y avait Boyacan dans l'axe, et finalement, c'est Dallaire qui rentre. Ça a faussé un petit peu votre 11. Oui, mais je trouve que Tala a fait un très bon match. Mais c'est vrai qu'au départ, une pointe au mollet lors de l'échauffement, mais j'ai vu de la confiance pratiquement sur tout l'effectif. Donc, c'est sûr qu'on connaît la valeur de Bouakak, mais Tala a montré aussi qu'il en avait. Et donc, pour moi, ça n'a pas été trop préjudiciable. Mais c'était un contretemps, encore une fois, qui n'arrive pas souvent, surtout quand c'est à la suite de la première phase de l'échauffement. Voilà. Le prochain match qui s'annonce comme aussi un morceau, il arrive tout de suite. Comment est-ce que... C'est peut-être mieux, hein.
c'est peut-être mieux d'enchaîner les matchs plutôt que de gamberger. Mais on ne va pas gamberger. On va être déçu, on va être frustré, on partage la déception des supporters qui étaient présents. Mais on ne va certainement pas gamberger avec ce qu'on a fait. Non. Vous savez comme moi que le championnat est long. C'est vrai qu'on rencontre de nouveau une équipe du top, mais Constantine, après le match qu'ils avaient fait, on pouvait être aussi considéré comme une équipe du top. Ce qui me déçoit, c'est que je n'ai pas pu vaincre le Chat Noir, dont vous m'aviez parlé, avec au moins un match nul, voire une victoire, ce que les joueurs auraient mérité. Voilà. Continuité de la saison par deux décès, ça, comment dire, c'est toujours compliqué. Est-ce que maintenant il faut puiser dans des ressources mentales des joueurs pour, on va dire, lancer sa saison? Je répète, pour moi, elle a été lancée aujourd'hui dans la manière. Elle n'a pas été lancée dans le résultat, c'est évident. Mais ils doivent simplement continuer dans cette voie-là. Peut-être ajouter encore un petit peu plus de malice, un petit peu plus de présence dans le box. Mais pour moi, la saison, autant c'était un non-match la semaine passée, autant c'était un match plein cette semaine. Voilà. J'ai des yeux, j'ai vu beaucoup de matchs dans ma vie et j'ai vu une équipe qui voulait jusqu'à la fin et qui n'y est pas arrivée. Ça n'arrivera pas toujours. Je suis sûr que si on garde cet état d'esprit et cette qualité de jeu, on arrivera à nos fins. Coach, vous avez incorporé certains joueurs qui n'ont pas joué à Elysée. Votre appréciation sur l'abandon? Je n'ai pas bien compris, excusez-moi. Il y a certains joueurs qui n'ont pas joué à Elysée, ils ont été alignés aujourd'hui. Votre appréciation sur l'abandon, est-ce qu'ils ont apporté un plus? Ceux qui sont. Ah oui, bien sûr, Salim a fait un match plein, un match total. Il a été très bon dans tous les domaines. Je trouve qu'il a payé de sa personne, ça paraît évident. Maintenant, vous savez, comme on l'a dit depuis le début, il y a un noyau très très riche en qualité. Mais il faut à un moment donné essayer de trouver le bon 11, dégager une certaine hiérarchie, sachant aussi qu'on aura besoin de tout le monde. Donc oui, j'ai été content du résultat, puisque, comme je vous le dis, la semaine passée, il y avait trop de joueurs à côté. Donc voilà, cette semaine, il y en a eu très peu, pour ne pas dire... Pensez-vous pas que votre équipe, au lieu d'être vivace, elle donne le temps à l'équipe adverse de bien s'organiser, puisqu'on a vu que souvent, le porteur du ballon est temporisé un peu trop avant de lâcher le ballon. Et ça donnait tout de suite à l'équipe adverse, tout de suite, elle se met en place, telle que lui... Vous parlez des transitions offensives, ouais. Des contre-attaques. Il y en a eu très peu, tout simplement, parce qu'on a tout joué dans leur camp. Donc si vous voulez être vivace dans la transmission et rapide, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas devant un bloc équipe qui joue bloc bas pratiquement tout le match. C'est ça la difficulté. Ce que je suis d'accord avec vous, c'est qu'en première mi-temps, on a eu 2-3 transitions et il n'était pas une question de vivacité, c'était plus une question de choix. Voilà, faire les bons choix. Vous voyez, en ressortie, on a fait les mauvais choix. Mais 2-3 fois. Pour le reste, je vous dis, on ne serait pas ajouté de la vivacité et trouver de l'espace quand ils jouent pratiquement devant leur but. Voilà. On l'a fait pourtant, avec Game Route notamment. Mais voilà. Coach, ne croyez-vous pas qu'il manquait quelque chose pour faire entrer le ballon dans les filets du CSC, comme par exemple la place de Lézéla? Vraiment très bonne question. Vous trouvez vraiment qu'on ne s'est pas créé suffisamment? Vous trouvez qu'on ne s'est pas créé suffisamment? Aujourd'hui, on va me parler de Nesla parce que le résultat n'est pas là. Demain, on parlera d'un autre joueur parce que le résultat n'est pas là. Moi, j'ai vu des joueurs sur le terrain, encore une fois, auxquels il ne manquait qu'une situation franche pour pouvoir marquer ce but. Ou simplement un arbitrage logique. Maintenant, je vous dis très sincèrement, quand vous avez 3 attaquants, quand vous avez pratiquement 12 alliés pour 2 postes, eh bien vous devez faire des choix. Et j'estime que mes choix aujourd'hui étaient bons, mais il est clair que Nesla n'est certainement pas mis à l'écart. Simplement, quand vous couchez 18 joueurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait dans la composition de départ un seul défenseur et un seul médian. Le reste, c'était des attaquants. Donc voilà, je crois que ma réponse est claire. Voilà. Merci. Merci.